Bonjour à toutes et à tous, cette semaine dans la revue des Tinto Talks pour le Project Caesar, nous allons parler de l'hiver, des cartes de la péninsule arabique et du grenier pour entreposer la nourriture. Suivant le climat et le moment dans l'année, un hein, lieu-dit sera ou non en hiver, jusque-là logique, mais ce, à cela s'ajoute aussi l'intensité de l'hiver en question. Les saisons sont inversées entre les hémisphères nord et sud également, chaque jour, chaque lieu-dit va calculer s'il doit changer son intensité hivernale. Johan précise en commentaire que chaque climat a un niveau maximum d'intensité, justement des hivers. Il y a quatre niveaux d'intensité hivernale l'absence d'hiver, un hiver doux, un hiver normal ou un hiver rude. Au cours d'une saison, un lieu dit peut alterner entre chaque niveau. Le point commun entre chaque niveau d'intensité, à l'exception de l'absence d'hiver, est que les armées prendront de l'attrition. Donc, quand ça sera l'hiver, vous perdrez plus ou moins de troupes suivant l'intensité. La production de nourriture est également impactée par l'hiver, négativement bien entendu, tandis que la population, elle, continue de consommer la même quantité de nourriture. Un hiver doux impacte la production de nourriture de 25%, tandis qu'un hiver rude fait quasiment chuter la production à zéro. Il faudra donc avoir de bonnes réserves de nourriture dans vos provinces pour passer l'hiver, sans quoi vos populations vont mourir de faim. Johan précise également que chaque type de nourriture aura une saison de pic de production, si j'ai bien compris son message qui était un petit peu laconique. Je me pose plusieurs questions par rapport à l'interaction de cette mécanique avec celle du commerce. Pourra-t-on limiter ou bloquer l'exportation de nourriture vers l'étranger en hiver ou au contraire est-ce que les prix vont fluctuer et rendre l'export très rentable en hiver Je pense que ça va dépendre des outils d'automatisation du commerce. En tout cas, il sera possible d'utiliser les marchands pour en importer, cela est certain. Je suis allé vérifier dans le talk sur le commerce pour en avoir la certitude. Il y aura un autre impact pour les hivers normaux et rudes, c'est la construction qui sera mise en pause, aussi bien au niveau des bâtiments que des navires, parce qu'il fait trop froid pour travailler en extérieur. Ceci va rendre le jeu dans les pays nordiques intéressant en matière de prévision et de planification. Lorsque l'hiver est rude, euh, pendant au moins une semaine d'affilée, les détroits, les mers intérieures et les lacs peuvent geler. Ils le resteront tant que le lieu-dit subira un hiver rude. Ces zones gelées peuvent être traversées par les armées. En revanche, les flottes ne pourront pas passer et devront attendre la fente des glaces. Et si une flotte est prise dans les glaces, elle sera immobilisée. Lorsque le dégel arrivera, il vaudra mieux éviter d'avoir son armée sur la glace, sans quoi vous allez la perdre au profit des profondeurs marines, bien évidemment. De plus, Johan précise en commentaire que le fait que les zones maritimes gèlent aura un impact sur le contrôle exercé grâce à la présence maritime et que le temps de voyage pour le commerce sera rallongé. Que du bonheur! Dernier point pour ce talk, lorsque l'hiver sera normal ou rude, les armées ne pourront pas traverser les lieux dits situés en zone montagneuse, parce qu'en général les cols de montagne sont bloqués par la neige et le gel. Cela va permettre de créer des frontières naturelles en hiver et de rendre le combat en cette saison beaucoup plus stratégique encore. On contrebalance le sujet hivernal pour passer sur une carte où la neige n'apparaît pas, sauf dans les centres commerciaux, l'Arabie. Compte tenu de la forme des terres, on voit un bout de la Perse, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Tous les pays sont sédentaires. Paradoxe a fait le choix de répartir les pays de la zone entre des monarchies et des tribus avec des mécaniques bien particulières, l'une d'entre elles faisant de l'ordre des tribus la plus puissante car la majorité des populations du pays en sont membres. Parmi les monarchies on retrouve la Mecque, le Yémen, Oman, Hormuz et Djarwanid. Tous les autres pays de la péninsule sont des tribus. Chaque pays a sa dynastie, donc rien de particulier à dire ici. Je passe bien évidemment sur les lieux dits. Le climat, ah bah rien de particulier, hein, c'est aride ou aride froid. On a beaucoup de zones infranchissables qui sont majoritairement des déserts. Une bonne dose de plateaux, quelques collines et montagnes. Les côtes sont majoritairement des plaines. Dans les montagnes, on retrouve les rares terres avec un petit peu de végétation. Et il y a très peu de terrains adaptés à l'établissement de ports dans le secteur. Ils sont principalement en mer Rouge. Concernant les cultures, euh, Pavia nous avertit que les minorités n'ont pas encore été définies. Les devs attendent le retour de la communauté sur le sujet. Idem pour les religions, on retrouve majoritairement des populations sunnites, mais on a aussi des chiites et des ibadites. L'île de Socotra, tout au sud, a sa propre culture cependant, il est de religion miaphysite. Les ressources naturelles de la région sont principalement les dattes, le bétail et les chevaux. On trouve malgré tout du blé, ce qui me surprend pour un climat désertique, mais bon, soit. La distribution est plus simple au nord et au centre de la péninsule. En revanche, sur les côtes du Yémen et d'Oman, il y a davantage de diversité et de richesse. On y trouve notamment des perles de la lin, du cuivre, des teintures, de la soie et du café. Ce qui correspond tout à fait à la réalité historique de l'époque. Enfin, les marchés sont centrés autour de la Mecque, d'Aladj, d'Alacha, d'Ormuz et d'Aden. Le bâtiment de la semaine, c'est le grenier, il nécessite 1000 paysans et à ma surprise, il y a une méthode de production qui nécessite de la nourriture pour que le bâtiment fonctionne et fasse bénéficier de son effet, à savoir augmenter la capacité de stockage de nourriture. Donc il faut de la nourriture pour augmenter la capacité de nourriture. Bref, c'est peut-être pour simuler le fait que la nourriture se gâte au cours du temps. C'est tout pour aujourd'hui, la semaine prochaine le mercredi est férié en Espagne, il n'y aura pas de talk, du coup je garde la revue des cartes d'Anatolie qui paraît lundi pour avoir un peu plus de contenu pour la semaine prochaine où on parlera aussi de l'Iran et du Caucase. D'ici à ce qu'on se retrouve, portez-vous bien, ciao ciao